Bon, le son est bon. On a du son. Ben voilà. Ben voilà. C'est fantastique. Par contre, il y a toujours 2 secondes de temps que la fenêtre se remette en plein écran, par contre. Alors, ça ne lag pas. Le son, vous l'avez. Il fallait utiliser les petites merdes roses là pour sauter. Dans tous les Donkey Kong Country, il faut ramasser le nom de Kong. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il veut le cochon? Ah, je peux casser ça? D'accord, et ça me sert juste à avoir des pièces. Dernière vérification, tout le monde est bon chez vous? Ça marche, c'est mieux, parfait. Il y a peu de sons de jeu. Mais alors c'est pas un problème, je vais te l'augmenter. Voilà. Je peux pas aller plus haut par contre, hein, désolé. Est-ce que je peux casser ça? Ok, pour un cœur, parfait, j'avais pris un dégât. C'est bon, nous pouvons enfin jouer dans de bonnes conditions. Et j'ai pas réussi à attraper la pièce comme un idiot. Est-ce qu'il y a moyen de... Je découvre un peu, hein. Je vais chercher un peu les boutons. Apparemment, je peux attraper. Là, je ramasse une pièce de puzzle. Je peux récupérer la pièce que j'avais loupée tout à l'heure. Est-ce que je peux plus courir vite? Je crois pas. Ah si. Ah si. Je peux courir plus vite. Je me prends un dégât. Normal. Là, il me dit d'attraper. Et ça crée des plateformes. Ok. Ok. Parfait, ça bug plus, je te kiffe. Ok, c'est fantastique. Merci Philippe et merci Darko. Et du coup, depuis ici, je l'ouvre. Et on enlève l'autre. Et depuis ici, on enlève quoi? Une banane volante qu'il faut que je cours pour attraper, c'est ça? Et que j'ai loupé. Hop, j'ai loupé. Ah non, il n'y a pas à l'attraper en fait. D'accord, faut attraper toutes les petites bananes qu'elle jette pour avoir ensuite une pièce de puzzle. Et là, c'est un point de sauvegarde apparemment. Et là, autre chose à ouvrir, ça casse tout. Hé, il faut comprendre. Je tombe, je meurs, non, en vie, toujours. On est bon. Ça essaie de m'attaquer, j'en profite pour sauter dessus. Et je saute ici. Et je reçois un cœur que j'avais besoin. Et là, apparemment, j'ai droit à Diddy Kong. Ok, j'ai Diddy Kong sur le dos, ça me permet quoi de... Ah... De flotter en l'air. Ok, ouh... Y a tout qui se casse sous mes pieds. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Monsieur Quentin! Yes, non, je ne l'ai pas reçu, Quentin. Je ne l'ai pas ouvert et j'en suis désolé, comme je crois pas que te l'avoir dit, mais en fait je n'utilise pas les clés USB que me donnent des gens en fait. J'ai trop peur qu'il y ait un virus, je me doute qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur, mais c'est par souci de précaution. J'imagine que tu peux le comprendre. On sait jamais, tu peux avoir un virus et tu ne le sais pas. Donc, du coup, vu le prix auquel j'ai payé mon ordinateur, je ne prends pas de risque et je n'ouvre pas la clé USB que tu m'as envoyée. Si je tape, j'imagine qu'on va sauter. C'est ça. Je récupère ça. Je récupère la pièce qui est ici. Je me fais bouffer par le poisson. Si jamais maintenant je meurs, c'est pas grave parce qu'il y aura Didi qui pourra prendre ma place. Si j'ai bien compris. Attends, il y a une méga banane. Et là-bas, il y a une pièce. Qu'est-ce que je fais de ça? Ok, je l'envoie. Vas-y, tape. Non! Comment je peux aller te la chercher cette pièce là-bas? Je peux pas le pousser ça tout à... Est-ce que je pourrais le pousser à ton avis? Non, ça se pousse pas. Ah bah oui, je suis con, Didi! Didi, il a un truc pour voler. Ah non, pas tant que ça en fait. Ok, je crois savoir. Ok, d'accord. Ça fait 2 pièces Kong de trouver. Un petit cœur? Non. Une multitude de bananes. Ramasse-les vite avant qu'elles disparaissent. Ok, parfait. Et ça me donne plus de bananes. Ok, quand on me propose plein de bananes différentes, en fait, ça m'en fait apparaître un petit troupeau de bananes, quoi. Ah putain, c'est beaucoup plus dur qu'un Kirby, attention hein. Ok. Merci beaucoup, Jacouille. Sympa le pseudo, et merci Katsu Studio.
Alors, normalement c'est pas dur, mais là... Oh attends, je dois choisir si je dois prendre la pièce de puzzle ou la pièce jaune. Je prends le puzzle et je prends la pièce juste après, on fait ça. Ah, j'ai loupé, dommage. La lettre, bien évidemment. C'est trop cool. Le ballon. Je prends le ballon en même temps. Je rebondis partout. Paf, 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 paf le chien. Et je suis dans un bateau viking. Attends, qu'est-ce qu'il me dit si j'appuie? Apparemment, regardez en haut à gauche, j'ai une barre qui est chargée. Si j'appuie sur L et R en même temps, ça va faire un truc. J'imagine que ça va faire une méga attaque. Mais je vais pas la faire tout de suite, j'attends d'être face à un... Attendez, deux secondes. Il y a des gens qui disent des conneries là dans le chat, par contre, je vais bannir un peu. Hop, masqué. Et masqué. Ok. C'est reparti. Ouais, du coup, la méga attaque, je sais pas à quoi elle servira. Petite sauvegarde, fantastique. Didi, je te possède déjà. Ça fait quoi si je fais ça? Rien du tout. Banane. Ouais, d'accord. Ok, je me concentre à fond, je ne parle plus. Ça, c'était pour juste une pièce. Quelle? Toi, je te saute dessus pour ramasser ça. Puis... Ah merde. Non, je... Ah, il y a des pics! Ah, il y a des pics, tu les avais vus, je les avais pas vus moi. Quand je vais faire ça? Oh là, mais je me fais défoncer. Le cœur. Et par contre, j'ai l'impression qu'on peut faire tourner le mât vu qu'il y avait une pièce cachée derrière. Est-ce que j'étais censé faire ça avec Didi? Est-ce que j'ai tout caché? Oh non. Oh non, Didi, où es-tu? Ok, j'ai perdu Didi. Ah ah! Oh non, j'aurais dû le lancer à gauche! Ah le con! Oh, attendez, je vais récupérer Didi qui est juste là. Je vais en avoir besoin. Est-ce que l'ennemi revient à tout hasard? Ah, les ennemis reviennent. Ok, donc on va s'écarter un peu sur la gauche et attendre que ça revienne. Allez, t'es revenu. Oui. Oui. Ah bah non. Mais quoi? Mais il y a une cible. Je suis pas con, il faut lancer l'ennemi sur la cible. Bon, on va retenter une dernière fois. Par contre, là-haut, il y a un chemin. Alors, peut-être qu'il faut que je le garde plus longtemps dans mes mains. L'ennemi. Ah ah. Voilà. Voilà. J'ai bien fait d'insister. Hop. Troisième lettre Kong. Et je vais aller en haut à gauche là. Ouais, c'est ça. Il fallait garder le pingouin dans la main. Bien vu. Ouh, la mort. Ah, un mini-jeu peut-être. Oh putain, c'est en temps compté. Faut que je ramasse toutes les bananes. 30 secondes. C'est pile le temps que j'avais pour contrôler le PC de ma vie tout à l'heure. Ah. Hop, on va là. Hop, combien? Encore 15 secondes. Oh, c'est bon. Oui, t'inquiète, t'inquiète, c'est fait, regarde. Ok, et le temps s'arrête, heureusement. Tu vois, il fallait en... Le temps continuer pour te laisser le temps de récupérer le truc qu'il y avait au milieu. Ok, cool, merci, continuons. Ça, je vais le garder avec moi. Et je peux voler en même temps, parfait. Ah, on me dit de faire la méga attaque, c'est parti. Oh, juste ça. Tout simplement, ils meurent tous. Et ça donne des ballons. Je sais pas à quoi ça sert de récolter les ballons. Une banane. La miniature est géniale. Merci Danoko, je vais pas te mentir, j'ai hésité.
J'ai hésité en la mettant, mais ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ça nous a offert des tonneaux. Hop, partons là-bas. Ah, et on continue, d'accord. Ah, j'ai un... je veux quoi? Moi, je veux un DK. Oh putain, j'ai une... J'ai une pièce que c'est nul. C'était le plus nul des objets à avoir, je crois. Ok, on a eu toutes les lettres, ça c'est cool. On a eu 4 pièces du puzzle, ce qui n'est pas assez du tout. Et on va continuer à jouer. Alors, tu te maries avec Akaxilia samedi. Ah bon? Quels sont les bails? Ah, n'écoute pas Fabien, il est bizarre. D'accord, ok, ils sont un battle de... Ok, bah merci à vous deux, d'accord. Ah, la musique, c'est comme dans... Donkey Kong Country, plus ou moins. Coucou Varo, trop content de te revoir, j'espère que tu vas bien, j'ai manqué le début, bon live à toi. Eh bien j'ai commencé il y a 20 minutes à peine, surtout que les 5 premières minutes étaient catastrophiques, vu que je n'arrivais pas à avoir une image qui ne lag pas, du coup c'était terrible. Du coup, j'ai à peine fini le premier monde, on commence à peine, c'est le début. Et merci à toi, ton message va pas tarder à apparaître... Je sais pas où, mais quelque part sur l'écran, non, voilà. Voilà, juste là-bas, bien vu. Allez, c'est reparti. Il faut que je m'entraîne à mieux... Ok, des pastèques qui explosent. Je vois. Il y a une pièce là-haut. Comment je vais te la récupérer? Si j'appuie sur Z, je reste accroché. Eh bien, on va aller là-haut et on va aller chercher la pièce comme prévu. Ok, les pics, on a compris que c'était méchant. Ça, je te l'attrape. Bah non, je vais pas lui lancer dessus puisque je vais avoir besoin de lui pour sauter. Hop, hop, hop. Ah mais non, on meurt pas dans l'eau, pardon. D'ailleurs, il y aurait pas un petit truc caché, genre une LED dans l'eau ou quoi là? Ils ont pas mis de l'eau pour faire joli. Ah, une pièce de puzzle. Fantastique. C'est quel Donkey Kong? C'est le tout dernier qui est sorti sur Switch, le Tropical Freeze Deluxe Remix HD Knuckle, je ne sais quoi. Ah, oh! C'est un... Je crois que c'est Dixie. Je crois que c'est Dixie Kong. Et du coup, qu'est-ce qu'elle permet, elle? De permettre d'aller plus haut. Mais c'est mille fois mieux. Mais c'est mille fois mieux, en fait. Mais vous êtes fous. Alors, comment on fait, là? Enfin, je cherche à savoir comment faire pour aller chercher la pièce, en fait. Je peux pas le casser, ça? Si. Ok. Ok, j'imagine qu'il faut passer de ce côté-là pour aller chercher la pièce. Allez, hop, petit saut. Et voilà, parfait. Y a pas un autre truc caché là-bas à droite? Non, c'est bon. Faut que je pense aussi à casser ces briques-là, du coup. Parce qu'il y a des pièces. On va tâcher de pas tomber dans l'eau. On pourra y retourner plus tard. Ok. Ah, il m'a bien pris au bon moment, lui. Je vais voir s'il y a pas un petit cœur ici. Maintenant, allons dans l'eau voir s'il n'y a pas des choses cachées. Genre là, des bananes. Il fait la torpille. Oui, un truc caché. Oh oh. Ah, merde. Ce n'est pas une attaque qui peut lui faire mal. Non, lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Hop, continuons dans la lancée. Petite sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si je fais ça, ça fait roulade. Ouais, ça, je l'avais trouvé sans faire exprès. On peut pas aller ici. On va éviter la petite... non. Ok, c'était pas fait exprès, mais ça marche. Ok. Oh là là, il y a trop de gameplay. Trop de choses à prendre en compte. Et en fait, je peux taper depuis le plafond. Oh. Et ça, c'est quoi? Ils nous ont fait tomber une petite bourse. J'imagine qu'il faut l'attaquer. Ou alors la couper avec les cheveux de la fille. Non. Ou alors lancer une tortue. Par contre, la maniabilité dans l'eau est dégueulasse. C'est terrible. Non. Je pense que je vais le prendre lui. Tu vois, je l'attrape.
et je lance. Et voilà, je me suis encore pris un dégât comme un noob. Ok. Petit point d'arrêt. Je connais pas du tout ces personnages. Donkey Kong, tu connais pas l'univers de Donkey Kong, c'est bien dommage. Il est bien riche. Il est bien riche. Mon opus préféré reste celui sur Nintendo 64, évidemment. Donc du coup, on reviendra là plus tard. On va aller en bas, voir s'il y a pas un truc caché. Putain, il y a le requin qui va venir. Mais il y avait un cœur. Ah mais oui, suis-je bête. Eh, il y a un troupeau de bananes. Il y a des trucs cachés partout, ça ne s'arrête jamais. Salut toi, comment vas-tu, mon cher Farod? Et toi, comment vas-tu, mon cher Casse Farod? Moi, je vais très bien. J'ai commencé un live assez tôt. Pour être tranquille, pour faire du montage vidéo tout à l'heure. Peut-être même jouer à Fortnite avec les copains s'ils veulent. Donc, je suis content. J'ai pas mangé, par contre. J'ai un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il m'apprend à faire les tornades qui permettent de casser les trucs, d'accord. Et nous avons Diddy Kong. Non, c'est toujours Dixie. Mais tant mieux, parce que moi, je crois préférer Dixie. Elle a un pouvoir qui permet de gagner... Mais où vas-tu? Il me manque de bananes. La maniabilité dans l'eau est terrible. Allez, plus qu'une. Et ça fait apparaître une pièce de puzzle. Fantastique. Ouais, Dixie a l'air... Elle propose de bien meilleurs envols, disons. Encore une pièce de puzzle. Plus un N. Nous avons fait la moitié du niveau, du coup. Hop, un truc apparaît. Mais oui, bien sûr. Putain. Le jeu est gourmand. Non, le jeu est... Il donne beaucoup de... Il offre beaucoup de choses. Il n'est pas avare, disons. Ah, il y avait des bananes, je les ai loupées, quel dommage. Hop, je t'ai cassé. Hop, je t'ai cassé ça aussi. Par contre, la maniabilité dans l'eau, j'espère qu'il n'y en aura pas plus que ça parce qu'elle est horrible. Sauvegarde, on s'accroche ici. On va partir là. On va faire apparaître la petite pièce. On va récupérer ça. Et je suis curieux d'aller voir s'il n'y a pas un truc dans l'eau. Ouais, je vais aller dans l'eau tout de suite pour vérifier. Toujours des bananes. Ça doit pas servir à grand chose les bananes. Genre t'en as... C'est quoi, t'en as 100, t'obtiens un cœur ou un truc comme ça? Ok. Plus qu'une. Non! Ok, et ça fait apparaître un troupeau de bananes. Fantastique. Merci Bilal, merci Roxon. Ah, c'est gentil ça. J'avais pas de réponse à te donner. Hop. On peut pas aller plus bas. Le jeu nous empêche de... Ah si. Maintenez A. Maintenez A, mais je suis pas con. Ah, Dixie, elle a le pouvoir d'aller plus vite dans l'eau avec ses cheveux. Aïe. Non, j'ai loupé une banane. Yes. Est-ce qu'il y a encore autre chose cachée en bas? Oui. Un portail. Salut Farod, petit don comme d'hab, voilà. Merci beaucoup Quentin, t'en sens pas obligé mais c'est très gentil. J'accepte, j'apprécie. Et tu vas apparaître normalement en haut à droite. Mais attendez, c'est la fin du jeu ça, non? C'est la fin du jeu ça, non? Merde, c'était la fin du jeu! Mais moi je pensais que c'était un endroit bonus parce que je pouvais aller encore plus en bas dans l'eau. Et à droite il y avait d'autres choses de cacher. J'ai terminé le niveau trop tôt, je suis con. Je suis vraiment Kong, je suis trop Kong. Yes, tu es apparu. Putain, il y a un temps il y a un décalage de ouf. T'as zappé deux dons, tu nous aimes plus. Pardon? Mais non. Bilal, Roxon, Cass, Miss Pépinus, vous deux avec Fabien. Ah, quoique. Ah non, effectivement, je vous avais pas vu. Bah du coup, comme vous étiez côte à côte tous les deux, du coin de l'œil, bah j'ai cru que c'était les mêmes que tout à l'heure. On se voit bien samedi au Montpellier Game Show. D'accord, et bah écoutez, avec plaisir. Bon courage pour faire la file d'attente.
Oups, j'ai pas fait exprès, pardon. Allez, c'est parti. Bazar ambulant funky style. Merci Blackie. Ouais, celui de Nintendo 64 était cool. Yo, ça fait un bail, on m'aurait pas oublié. Bienvenue au bazar ambulant funky style. J'ai tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Du coup, il me propose d'acheter... Diddy Kong, Dixie, voilà, c'est écrit en haut. Pour ceux qui se posent la question, c'est Dixie. Et Cranky, je connais pas son pouvoir, je vais attendre de le croiser en jeu. Un jus de banane, il me dit pas ce que ça fait. Un bouclier pour protéger mon véhicule. Un cœur en plus. Lui, il peut flairer les pièces de puzzle. Le ballon rouge, on sait pas. Le ballon vert, marre de tomber vite, t'as l'impression d'être au fond du trou. D'accord, peut-être qu'il me permet de voler celui-là. Et le ballon bleu, un second souffle dans l'eau. D'accord, c'est si je suis en manque d'air. Ah, donc le ballon rouge, c'est peut-être des cœurs pour se sentir revivre. C'est les vies. Peut-être les vies dans le jeu, je sais pas. Ah, et il y a un petit truc à boulette. Il a l'air d'accepter les pièces. J'en sais rien. Là, il faut payer 5, là, il faut payer 15. J'ai combien? J'ai 28 pièces. 7, 5... J'aime cette musique, merci beaucoup. Merci Maxime. Salut Faro, je viens d'arriver sur le live. Le jeu a l'air bien. Le jeu est... Je vais pas dire que le jeu est dur, parce que je joue en condition de live, donc c'est compliqué de jouer dans ces conditions-là. Mais le jeu est beau. Moi j'aime l'univers Donkey Kong, il est toujours super cool. Donc moi ça me va. Reflairer les pièces d'Obzol, on s'en fout un peu. Je suis curieux, j'ai envie de jouer à ça. Tentez votre chance. Intrusez quelques pièces et recevez une figurine. Des loot box? Vraiment? Vas-y. J'achète. C'est nul. J'obtiens une figurine mercenaire. Et d'accord, je fais la collection. D'accord, c'est tout. Ça par contre, on sait pas ce que ça donne. Hein. 15 pièces. Vous rend temporairement invincible la première fois que vous suivez des gars. Alors non, pas besoin. S'active dès que vous montez dans un chariot de mine. D'accord. J'ai été spoilé le chariot de mine. Vous sauve automatiquement de... Ah d'accord, si jamais je tombe, ça me sauve. Ma vie, putain, j'ai 19 vies, c'est ouf. D'accord, ça j'ai compris. Et Cranky, c'est quoi son pouvoir? Je sais pas. Bon, j'ai rien à acheter pour l'instant, je m'en sors bien, je gère bien le jeu pour l'instant. Ok, merci Funky Kong. Merci Miss Pépinus, la partie de cache-cache géante pour moi, tout le monde a gagné car tu as trouvé Miss Jirachi Petit Quick qu'à une minute de la fin. Solidarité féminine, ben voyons. Non, je suis pas d'accord, les règles étant que je devais les trouver dans un temps en partie. Ben même à une minute de la fin, ben, c'est considéré comme gagné, non? Mais bon, après, les autres m'ont beaucoup aidé, voire trop aidé, donc on peut dire qu'on a tous les deux gagné ensemble, je suis d'accord. Est-ce que tu vas faire des live Fortnite? Oui, mais pas aujourd'hui. À l'occasion, oui, mais... Oh, il y a des météorites dans le fond! C'est les météorites Fortnite qui tombent. Non, pas ce soir, en tout cas, pas prochainement. Vendredi, peut-être que je vais faire un live sur la chaîne de Madiba, du coup. Il m'a proposé un live caritatif, donc j'imagine qu'il proposera de jouer à du Fortnite, donc je serai très chaud pour ça. Waouh, il y a beaucoup trop de bananes là par contre. Ok. Ok, et moi j'en ai pas droit, d'accord. Oh, c'était mauvais ça. C'était vraiment pas bon du tout. Heureusement, j'ai cette plateforme là qui peut me permettre de voler. Si j'avais eu Diddy Kong, ça l'aurait pas fait, je pense. Je ne louperai pas une seule banane. Oh, 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 banane qui vole, banane qui vole. Il m'en manque encore une. Yes. Et elle me donne une pièce. Attends, il n'y a pas un truc caché là-haut? Non, rien de caché. Les ballons, c'est des vies. Ouais. Et j'en ai 19. Donc j'ai le temps de mourir plein de fois. Mais le jeu va devenir bien dur petit à petit. Donc, waouh, ok. Autant bien les garder. Merde, il y a ça qui s'est ouvert, mais il y a aussi une banane qui tourne. Je fais trop de trucs à la fois, là. Mais ah, j'ai oublié de rappuyer, pardon. Je me suis fait peur. Et ben voilà, j'ai perdu un ballon, ça commence. Et je suis tout seul. Et je recommence au début.
Bon, heureusement, il n'y a pas besoin de récupérer toutes les... Ah, si. Ah, il faut tout récupérer quand tu meurs. Ouh, ça pue. Et les bananes, du coup, quand on a 100, est-ce que ça te donne un ballon ou pas? Parce que ça, je ne l'ai pas compris encore. Viens, Dixie. Viens m'aider. Oh putain, j'ai cru qu'elle allait tomber dans le vide, j'étais pas bien. J'ai vu flou, ça y est. Ça, on va le refaire. Et ramène tes bananes. Ok. Pièce. On va chercher ça. On fait ça un peu plus vite que tout à l'heure. Et je tâcherai de pas me louper cette fois. Youp. Non, calme-toi. Vite, vite, vite. Parfait. Et du coup, il y avait une banane qui s'était allumée, mais là, ça n'a pas été le cas. Ah, ça y est, elle est là. Est-ce que je vais aller plus vite qu'elle? Apparemment, oui. Je prends la pièce, parce que c'est important. Elle me fabrique ceci. Oui. Je récupère tout. Ok, nickel. Allez, c'est peut-être le moment de nous mettre une petite sauvegarde, le jeu. Ah ouais, vraiment, la pièce comme ça? Le jeu, il veut... J'aurais peut-être dû acheter un ballon qui permet de tomber dans le vide. Bobo. Bobo, bobo. Non, il faut que je lui saute dessus. Non, c'est pas bon. Voilà. Tendu, tendu. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Allez, une sauvegarde. Il y a un ballon, je le loupe pas. Les ballons, c'est la vie. C'est un mauvais jeu de mots. Une sauvegarde juste à côté. Allez, la dernière. Yes, une pièce de puzzle. Ok, sauvegarde. C'est tendu. C'est vraiment tendu. Je lis vite fait le chat pour voir s'il n'y a pas de problème. Quand tu as sa banane, ça te donne un ballon, donc une vie ou... D'accord, ok. Mais est-ce que c'est un ballon directement dans ma poche? Ou est-ce que c'est un ballon qui apparaît en face de moi? Parce que des fois, il y a des ballons qui apparaissent en face de moi, c'est pour ça. Elle est là. Yes. J'aime ce bruit, mais je crois que c'est un truc que j'ai lu tout à l'heure. J'ai perdu Dixie, non. Dixie. Coucou monsieur, PS, frites ou Nutella? Où est le rapport entre les frites et le Nutella? Eh, ça n'a pas de sens. Bah, à choisir, je dirais Nutella, je pense. C'était un message de Ecto Knight. Merci à toi. Hop, la banane juste là. Allez, redonnez-moi Dixie vite fait, s'il vous plaît. Encore un bruit que j'aime. Ça a formé une étoile, nous l'avons vu. Hop. Ok, nickel. Miss Pépinus, pour la vidéo de tout à l'heure, regarde la PS4 si tu en as une, car tu peux avoir des jeux gratuits qui sont très bien, mais il faut regarder souvent. Ah ouais, mais c'est tellement compliqué de filmer ma PS4. Déjà que là, ce que je suis en train de faire avec la Switch, je vais pas te mentir, c'est assez chaud. Ouh, il y avait un truc bleu, je sais pas si c'était un bonus, mais j'ai préféré l'esquiver dans le doute. C'est dur ce qui se passe. Ouf, 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 ouf. Allez, saute. Hop. Je peux pas y accéder. Il me manque la petite fille pour avoir ses cheveux. Pas de bol. Allez, tape. Hein. Je sais pas où je suis, je comprends rien. Sauvegarde. Êtes-vous tenté de me donner un petit Diddy Kong ou Dixie Kong à tout hasard? Ce blond... ce blond m'ébloui. Waouh. Bonjour Angèle, j'espère que tu vas bien. Oh, attention. Non, non, j'ai voulu attraper la banane, tant pis, je vais mourir. Je préfère mourir. Waouh. Ça va être du die and retry, je le sens. Le bruit de la YouTube Money, tu lèves jusqu'à quand? Allez, peut-être 21h, ou un peu avant, je sais pas. Là, c'est pas du Fortnite que je fais ce soir, c'est du Donkey Kong, donc il y a des chances que je me lasse un peu plus vite, à mon avis. Ouais. Mais j'ai encore failli ne pas l'attraper. Est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'était un piège? Je retente encore une fois. Alors, je saute comme ça. Je saute comme ça. Je vais là-dedans. Je m'accroche là, je ne m'accroche pas en bas. Je saute ici. Ouais. Ouais. Ok. Waouh. Non. Je ne comprends pas, ça va trop vite. Je suis pas d'accord.
Oh putain! Allez, maintenant je comprends pourquoi il donne autant de ballons. Ok, je m'accroche. Je saute. Je saute dans le tonneau. Je suis accroché, je ne me lâche pas. Je pourrais en fait en ressautant. Hop, le tonneau, le tonneau, le tonneau. Oh, batterie faible, ben voyons. Je m'accroche. Je reste accroché. Je ramasse plein de bananes. Ah, j'ai appuyé trop vite par contre. Et sauvegarder. Et ben. Bah dis-moi, c'est que c'était pas facile. Allez, 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 allez. Non, je l'ai loupé, c'est trop triste. Hop, ça je sais faire. J'ai droit à quoi du coup? Une pièce? Merci Phoenix, merci Fabien. Comment on fait pour être modo? Eh ben, c'est moi qui décide en fait. C'était très nul. C'était très nul, parce que je suis pas concentré dans le jeu. Je suis désolé. C'est pas maintenant que je saute. C'est maintenant. Putain, comment tu que j'allais chercher celle-là? Vraiment? Je dois vraiment faire ça? Non, les trois pièces, j'allais pas les chercher. Non, mais c'est pas vrai, c'est trop dur. Pourquoi on ne voit pas ton casque? Parce que c'est un casque spécialement invisible de l'espace. Il n'en existe qu'un seul dans le monde et c'est moi qui l'ai. Il faut que j'aille rechercher le G à chaque fois. J'arrive, on y va. Ok. Attends, je vais pas de suite parce que là il y a un truc. Des bananes. Ah, attention, attention, il y a une pièce de puzzle que je ramasse. Ok, on casse le mur. Oh là 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 là. C'est pas fini. Hop, 1, 2, et une pièce chacun. Et je vous jure, je crois que j'ai. Ça fait longtemps que j'avais pas autant transpiré. Oh pff, je comprends plus rien, ça va trop vite. Merci Nico, merci Maxime, petit don pour une pub de ma chaîne YouTube. Maxime Olivier. C'est pas toi qui avais demandé ça d'ailleurs la dernière fois, je crois. Oui, j'ai eu peur de jouer à Five Nights at Freddy, effectivement. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Et ouais, j'ai loupé une pièce de puzzle, ouais. Et je pense qu'il n'y a pas que ça que j'ai loupé. Prêt à partir à l'aventure, allons-y. Est-ce que je gêne un petit peu... Je gêne pas l'écran un peu là? Si je fais ça, c'est pas plus intéressant. Pour une fois, je suis pas au travail pendant le live. C'est vrai. Alors, retour dans la forêt. En espérant qu'il n'y ait pas d'eau non plus. Je peux sauter. Oh là, ça commence. Je peux sauter. Voilà. Je peux ramasser ça, je peux m'accrocher, je peux descendre, je peux sauter, sauter, sauter. Oh là là, que c'est dur. Je veux ramasser la pièce. Ah. Je saute. Oh, Chunk, Crunky, Chunky, comment il s'appelle déjà lui? Oh, il me fait faire une attaque comme Balthazar Picsou dans DuckTale. On peut sauter comme ça, et j'imagine que ça va faire mal aux ennemis. Pourquoi il y a des poissons qui volent? D'accord. On va tâcher d'aller tuer ce petit pingouin. Ok. En fait, ça nous permet de faire des sauts plus grands, mais je continue à penser que le pouvoir de Dixie Kong est supérieur. Non, j'ai perdu. Voilà, non, il y a des pics. Est-ce que la canne me permet d'esquiver les pics? C'est ça qu'ils sous-entendent. Il y a qu'un moyen de le savoir. Ok. Ok. D'accord.
Nouvelle mécanique de jeu, on peut esquiver les pics avec la canne. Mais c'est tellement dur à mettre en place. Et il va savoir se le refaire. Hop, non, je voulais que tu t'accroches. Ce son, j'aime ce son. Je le lis juste après. J'ouvre ça, il va y avoir une pièce de puzzle, non? Évidemment. Ok. Alors, t'as jeté un coup d'œil à Kaiba. Non, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Pardon. Little Matty, hey, je peux enfin regarder un télé, je suis trop content. Première fois que je vois ce jeu, en plus, c'est génial. Oui, la miniature est top. Cool. Et bien moi aussi, première fois sur ce Donkey Kong là du coup. Merci Little Matty, merci du coup Quentin tout à l'heure. Merci Mickaël. Blizzard. Attendez, deux secondes. Oh. Ah mais t'es là, ouais. Bah, viens dire bonjour. Allez, non il ne te voyait pas, viens, allez viens dire bonjour. Viens, approche-toi, n'aie pas peur. Ne dis pas de conneries parce que là t'es en live. Hein? Vous allez faire les courses? Quand? Quand t'as fini. Bah, pour de vrai là maintenant on va faire les courses? Genre on a jusqu'à quelle heure? Allez montre-toi. Yo. Regardez, est-ce que vous le reconnaissez du coup? Il était... C'est l'acteur porno non? Alors pour certains tu es un acteur porno et pour d'autres tu es celui qui est venu dans ma vidéo quand on a joué à... Ah oui, je suis en train de jouer, oui bien sûr. J'aurais dû regarder ton live. Oui c'est ça. Attends je coupe le micro. Re, du coup, j'étais en train de lire ton message, Mickaël. Salut Clément, feras-tu un live au moment que Smash Bros sortira? Que sortira en magasin, tu veux dire? Quand Smash Bros sortira. Ce qui est sûr, c'est que cet été, je ferai un live à l'E3 quand il y aura les nouvelles annonces de Smash Bros, parce qu'il y aura de nouveaux trailers présentant de nouveaux personnages. Oh putain! Oh putain, il y a des ports USB à côté de ma Switch, je l'avais jamais vu ça! Oh putain, j'ai découvert un truc, pardon. Du coup, ouais, je vais faire ça quand à l'E3, quand ils annonceront Smash Bros, je ferai un live. Quand le jeu sortira en magasin, un live, peut-être une vidéo même carrément, parce que c'est tellement important pour moi que j'en ferai bien une vidéo, donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mickaël Blizzard, pour ton soutien, tes 20 francs suisses. Ça doit vous faire peut-être 17€, donc c'est pas mal, du coup, c'est beaucoup, merci beaucoup. On pourra faire une partie Fortnite. Non, Nico, désolé, je ne joue qu'avec mes copains. Merci, et puis je te suis depuis tes débuts, petit Dalbuné. Oui, alors, ce qui vient de se passer à l'instant, je ne vous ai même pas lu dans le chat. Je ne sais même pas si vous avez dit que vous l'avez reconnu ou pas. Je veux vous lire. Est-ce que vous l'avez reconnu? On entend tout. Ah, vous entendez quand on parlait? Oui, c'est mon meilleur ami, effectivement, oui. Hop, Lucas. Ah, il y en a qui ont ressorti son prénom, ça fait plaisir. Bien joué, le loup solitaire. Yes. Du coup, c'est pas mon coloc, hein. C'est le copain de ma coloc. Ça marche comme ça, c'est un gros délire, c'est perché et tout. Et du coup, il me fait prendre conscience que demain c'est férié, que je n'ai plus rien à bouffer et que je vais devoir. Que je devais aller faire les courses et qu'il faut qu'on aille avant que ça ferme trop tard. Donc, du coup, eh ben, le live va se terminer plutôt que prévu en fait. Et j'en suis navré. On va terminer le live dans un petit quart d'heure, je dirais en fait. Il va m'envoyer un message pour me confirmer ça normalement. Mais ouais, il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai plus rien à bouffer, je suis vraiment désolé. Du coup, on va finir ce niveau. Moi je propose qu'on finisse ce niveau. Et ensuite, on mettra facecam, on parlera avec le chat vite fait. Et ça aura été un live assez court finalement, je suis désolé. Mais il y a plein d'imprévus qui ont fait que ça se passe mal aujourd'hui le live, je suis navré. Bah écoutez, on va aller là-bas, ça m'a l'air plus simple. Voilà. Normal. En plus à chaque fois il y avait une tête de mort, donc j'imagine qu'on allait mourir. Ah mon téléphone vibre, dis-moi. On part à 20h15. Fantastique. Donc on peut live jusqu'à 20h05. Moi j'ai beaucoup transpiré donc je pue de ouf, faut que j'aille me prendre une douche. 10 minutes de douche, ça suffira pour partir. Donc voilà. On a encore un petit quart d'heure devant nous, je finis ce niveau et.
il faut qu'on parle, vous et moi. Alors, prends-moi ça. C'est dommage que ça donne pas une vie de trouver le truc en plus, tu vois. Oh non, c'est trop con, ça. C'est vraiment débile. Ah, bah, c'est gentil, un petit cœur. Hop, accroche-toi. Non ! Accroche-toi ! En plus, je me t'ai dit, mais il n'y a pas de pique, c'est bon, c'est tranquille. Hop, on récupère ça. La petite banane. Une banane, juste une banane, ça ne sert à rien. Ok, on récupère le cœur. Le cœur ! Bien joué. C'est bien ça. Ok, ça c'est bon. Ok. Ok, d'accord, je vois le... Si ça fait sauter à peine un peu plus haut. Mais pas des masses non plus. Allez. Je commence à prendre le jeu en main, c'est bon. Je suis satisfait, je suis content. Je me rassure. Ouh là là. Déjà, je vais aller là, moi. Ah, je t'ai tué. Ah non, ça c'était nul. Tout ça pour récupérer la pièce. Mais t'es con. T'es trop con. Ok, on prend ça. On le jette. Oh, je peux pas aller chercher. Je peux pas aller la chercher. Je peux pas aller la chercher. Acteur porno. Ah non, attendez, attendez, il faut que j'explique le truc. Je ne connaissais pas ton ami, donc pour une première impression. Ah, donc en fait, on avait fait une vidéo ensemble à l'époque où on jouait à Sniper Elite. Et j'avais besoin de quelqu'un, donc je l'avais demandé de jouer. Cette vidéo n'est plus sur ma chaîne parce que c'était un. C'est une vidéo sponsorisée. Donc moi, déjà, le fait de faire des vidéos sponsorisées, c'est... je suis pas très fan du concept. Enfin, ça me gêne. Donc, du coup, au bout d'un an, mes vidéos sponsorisées, je les enlève de ma chaîne à chaque fois, du coup. Et du coup, il apparaissait dans celle-là. Donc en plus, elle avait fait genre 500 000 vues cette vidéo. Donc du coup, certains connaissent sa tête de là. Mais je l'avais affiché 2-3 fois sur Snap aussi il y a un an, je dirais. Et on avait beaucoup rigolé, lui et moi, parce qu'il y, y avait une fille sur Snap qui avait répondu à ma story et qui m'avait dit « Ton pote, il a une tête d'acteur porno. » Et on en a rigolé pendant, allez, au moins des années. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a dit ça tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup qui n'ont évidemment pas la rêve, puisque je n'en ai jamais parlé en vidéo. Allez, sauvegarde. Merci de me rendre mon acolyte. Ce jeu serait tellement plus dur si on n'avait pas de personnage à côté de nous. Hop, on récupère la pièce. On va là. On va casser la fleur en bas. Oh merde, ça c'était débile. Ok, on s'accroche ici. On fait du tam-tam. On revient, on fait du tam-tam pour faire tomber l'escargot. Ouh, c'était tendu ce que je viens de faire. Oh là là, je récupère un cœur, je saute sur lui. Je saute sur lui. Je le ramasse pas. Je saute sur lui. Hop. Ah, c'est con ça. Je peux aller là. Ça ne sert à rien, très bien. Je viens ici. Ah, il y a des hélices, putain, je les capte même pas. On est sur la lettre G. On est sur la lettre G, on est à la fin du jeu. La fin du jeu. La fin du niveau, je récupère un cœur, donc c'est très bon. Non, non, ça ne marche pas comme ça, non. J'ai eu trop envie de finir le jeu trop vite, là. Allez, viens avec moi. Hop, on repasse là. On récupère ça vite fait. Non, attention. Ouais, je récupère mes bananes. Hop, je vais ici. Paf, paf, je tape ici une fois. Je saute. Je skip la fleur. Parce que Osef, finalement, on s'en fout un petit peu. Je te tutoie. Je passe ici, je m'accroupis. Je laisse passer ça. Je récupère le plus important. La lettre. Voilà, merci. Ça, je sais plus ce que ça fait. Une banane, ok. Je tutoie. Et je m'accroche. Hop, hop, hop. J'attends le bon moment, c'est-à-dire maintenant. Ok, Sonic, c'est parti. Et c'est la fin du game. Non, pas tant que ça finalement. Attendez, je vais tenter un truc. Oui. Ok, je récupère la pièce. Oh, j'entends des bruits, il y a des gens qui donnent de l'argent, c'est gentil ça. Et c'est pas fini. Donc il y a une vraie fin du jeu. Ah, ça c'était nul par contre. Et une fausse fin du... Enfin, une fin secrète. En fait, c'est pour avoir des... Je sais pas. En fait, quand j'ai donké et que je frappe... Ah, ça ne donne que des bananes. Mais en fait, c'est le truc le plus nul, les bananes. Je suis con. Nice. Nous sommes bons.
Je vais pas voir la fin, je voulais savoir ce que t'allais dire, tristesse. J'allais dire un truc. J'avais fini de raconter mon histoire ou pas, là? Je sais plus où j'en étais. Merci Akaxilia et merci Quentin Marical. Je t'ai envoyé sur Twitter le contenu de la clé USB. C'est une très bonne idée de faire plutôt comme ça, oui. Ah, tu comprends ce que je veux dire, c'est cool. Ah, bah en plus, batterie faible. Voilà, mais putain, cette manette qu'on ne voit pas, ça, c'est incroyable. Du coup, nous allons nous arrêter là. J'ai encore, allez, 5 minutes devant moi. Et après, je vais vous dire adieu. Hop. Je vais poser mes manettes. Les mettre à charger. Oui, chut. Voilà. Et il n'y a plus de son, c'est normal. Je vais mettre ma propre musique. Hop, un petit thème de Sayuri peut-être. Voilà, en musique de fond, ça peut être sympa. Tu as dit que tu avais des choses à dire. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais à dire? Je ne me souviens pas ce que j'avais à dire. Je vous jure que je me rappelle pas si j'avais dit ça. Attends, j'avais des choses à dire. Mais si, en plus, je me souviens avoir dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Fais un dab et dis pour Roxane, je serais ravi. Un dab pour Roxane ou un dab pour Roxane comme ça? Attention, moi je te fais les deux. Non, je continue pas. Pour ceux qui ont raté ça, il y a mon pote qui est venu me dire qu'on partait faire les courses, donc il faut que je m'en aille finalement. Désolé, ça aurait été un petit live de seulement 50 minutes du coup. Moi j'ai bien aimé en tout cas Donkey Kong, c'était cool. Je ne rejouerai pas en live parce que c'est très compliqué de jouer à la fois et de vous lire. Je préfère faire ça avec du Fortnite. Donc je jouerai à Donkey Kong de mon côté. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je le trouve un peu plus corsé que Kirby. Que Kirby était lui vraiment destiné à des enfants, donc beaucoup plus facile. Donkey Kong demande beaucoup plus de challenge, donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est cool. Ouais, un petit live comme ça, tranquillou. Fortnite annoncé sur Switch, ça sera annoncé cet été à l'E3, mais pas avant. Tiens, d'ailleurs, ma caméra, pourquoi ne pas la mettre plus grande? Pourquoi ne pas en profiter, tiens? Voilà, on va se mettre comme ça, c'est bien mieux. En vrai, j'ai pas vu grand chose. Ah, je suis désolé, Little Matty. Super live en tout cas, reviendras-tu à Rouen l'année prochaine? Je t'ai raté. Ah! Eh bien, s'ils me réinvitent, je reviendrai. S'ils refont une convention, parce que je crois qu'elle a pas bien marché pour Rouen, j'en suis pas sûr. Mais s'ils en refont une, ils me réinviteront très probablement, je pense. Donc, oui. Tu as fait un autographe à mon pote, c'était cool. Eh bien, c'est lui qui est cool. Il est venu me voir, il a fait la queue, c'est cool de sa part. Merci Nico, merci beaucoup. J'avais des choses à dire, je ne sais plus ce que j'avais à dire, c'est terrible. Et le full live de cet après-midi, c'était quoi? C'était un youtubeur qui a pris contrôle de mon PC et qui a voulu lancer un live pour troller mes abonnés et ma chaîne. Donc du coup, c'était pas une erreur, c'était pas moi qui me foutiez de vous, c'était réellement un youtubeur qui a fait ça à ma place. Mais c'était dans le cadre d'une vidéo, vous verrez la vidéo demain sur sa chaîne YouTube. Il est d'ailleurs actuellement en train de faire du montage. D'ailleurs, il devait faire un live ce soir et il ne le fait pas. La vidéo Nintendo Labo, elle arrive normalement dimanche. J'ai encore beaucoup de boulot avec ça d'ailleurs, il faut que je monte le multi-kit, ça va me prendre 6 heures devant moi, donc c'est un truc de ouf. Mais normalement dimanche, Nintendo Labo, ça arrivera, ouais. Le troll, ah, s'il n'avait fait que ça, lancer un live sur ma chaîne, il n'a pas fait que ça, il a fait des choses qui m'ont beaucoup blessé. Vous verrez la vidéo, vous comprendrez le moment venu. Ah, la musique s'est arrêtée, on va en mettre une autre. Je peux vraiment faire le Freddy. Non, je me suis chié dessus comme un échappé, c'est un truc de ouf. La musique des DLC Forever. Ouais, c'est la musique de fin du jeu, là où on entend une voix qui chante. Yes! Allez les copains, j'entends mon téléphone vibre, donc ça veut dire que mon pote me demande qu'on y aille. Je vais vous laisser, j'ai besoin d'aller faire des courses, demain c'est férié, je n'ai plus rien à manger, si vous voulez pas que je meure de famine, je vais devoir aller à Carrefour m'acheter de la nourriture. Voilà. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, je vais aller à Carrefour Saint-Clément, proche de Montpellier, voilà, dans une demi-heure je suis là-bas, on sait jamais. Voilà, s'il y en a un qui souhaite aller faire ses courses en même temps, eh ben, sachez que je serai dans les rayons. En attendant, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée. Je me prépare à mettre l'écran de fin. Bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là, parce que c'est pas un jeu qui risquait de vous plaire. J'arrive à la fin, et coucou, désolé Anaïs. Et merci aux 1400 personnes qui ont été là. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. Et à dimanche, normalement, pour un Nintendo Labo. Des bisous tout le monde. Ciao.